Mesdames et messieurs les membres du gouvernement camerounais, messieurs les et mesdames les gouverneurs et préfets de l'administration centrale du Cameroun, messieurs les militaires, les gendarmes, les policiers, les agents des renseignements généraux et des corps spéciaux de l'armée et de la police donc du Cameroun. Je m'adresse à vous en revendiquant une autorité intellectuelle et morale que vous n'êtes pas obligé de reconnaître, mais avec laquelle vous devrez compter aujourd'hui et demain au Cameroun et en Afrique. Je m'adresse tout particulièrement à vous pour vous demander de prendre conscience du fait que hier, par la décision annoncée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Décision par laquelle le président Donald Trump suspend le Cameroun des bénéfices de l'initiative AGOA. Eh bien, cette décision comporte un élément particulier qui vous intéresse et qui vous concerne individuellement, qui vous concerne personnellement, chacune et chacun d'entre vous. Je m'en voudrais de ne pas vous avoir indiqué l'élément particulier de la déclaration du chef de la puissance américaine qui vous concerne personnellement. Et quand je dis personnellement, je veux dire vous, en tant qu'être humain, de chair, d'os et de sang, en tant qu'âme vivante, vous, en tant que père et mère de famille, vous, en tant qu'individu vivant dans le monde, cette déclaration vous concerne à un point que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. En effet, le président des États-Unis d'Amérique a dit qu'il n'y a qu'une et une seule raison pour laquelle, hier 31 octobre 2019, il a pris la décision de suspendre le Cameroun des avantages économiques et commerciaux que l'initiative AGOA lui accorde. Cette raison est la suivante. Le président américain reconnaît M. Paul Barthélémy Biya, l'actuel président de la République de facto, son gouvernement, les forces de sécurité du Cameroun, comme responsables des trois actes suivants. 1. Exécution extrajudiciaire. 2. Détention arbitraire et illégal. 3. Pratique de la torture.
messieurs et mesdames, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs, les préfets, les militaires, les gendarmes, les policiers, les agents de renseignement généraux du Cameroun, c'est vous qui êtes accusé à travers l'accusation adressée contre le régime de M. Paul Barthélémy Biya. C'est chacun d'entre vous qui individuellement est visé par cette déclaration qui va transformer le droit international politique concernant le Cameroun. Car si le régime de M. Paul Barthélémy Biya est accusé de pratiquer des assassinats extrajudiciaires, c'est parce que vous, ministre, vous, gouverneur, vous, préfet, sous-préfet, vous, militaire, vous, gendarme, vous, policier, vous, agent des renseignements généraux, exécutez les ordres criminels de M. Paul Barthélémy Biya. Vous êtes donc individuellement, à partir de la déclaration du 31 octobre 2019, considéré du point de vue du droit international de manière irréversible et indubitable comme étant individuellement co-responsable des exécutions extrajudiciaires, individuellement co-responsable de détentions illégales et arbitraires, individuellement co-responsable de torture. Chaque fois que l'un ou l'autre d'entre vous aura exécuté des ordres qui aboutissent à ces trois actes. J'interviens aujourd'hui pour vous appeler à considérer l'extraordinaire gravité de cette prise de position de la puissance américaine, qui, comme vous le savez, est l'une des toutes premières grandes puissances militaires, commerciales, diplomatiques, stratégiques, géopolitiques en ce monde. Et dès lors, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs, préfets, sous-préfets, militaires, gendarmes, policiers, agents de renseignement généraux, membres des corps spéciaux, vous êtes mis en demeure de ne plus exécuter le moindre ordre devant aboutir à l'une ou l'autre des violations graves des droits humains que vient de souligner la déclaration et la décision du président américain Donald J. Trump. Bien sûr, vous me direz, nous n'avons pas à obéir aux injonctions du président américain parce que nous sommes avant tout et uniquement Camerounais et que le Cameroun est un État souverain. Eh bien, je vous invite à constater que la monnaie du Cameroun est fabriquée en France. L'un des attributs de ce qu'on appelle la souveraineté, c'est la maîtrise de l'outil monétaire. Si le Cameroun était un État souverain, il battrait sa propre monnaie. Deuxièmement, je vous invite à constater que le Cameroun bénéficie encore de la coopération militaire de la France, d'Israël, des États-Unis d'Amérique. Tous pays qui sont ces véritables livreurs d'armes, de munitions et de formations militaires. Si le Cameroun était détenteur d'une souveraineté comparable à celle des États-Unis d'Amérique, il n'aurait pas besoin de formateurs américains, de formateurs français, de formateurs israéliens
pour ses forces de défense et de sécurité. Il se formerait tout seul. Ce ne sont pas les Français qui vont former l'armée américaine. Ce ne sont pas les Français qui vont former l'armée israélienne. Ce ne sont pas les Israéliens qui s'en vont former l'armée française. Les armées américaines, françaises, israéliennes, qui forment l'armée camerounaise, se forment elles-mêmes. Quand on parle de souveraineté, au sens absolu et puissant du terme, la souveraineté commence quand un État n'a pas besoin de la formation militaire d'un autre État. Il s'ensuit que, sur le plan militaire, vous savez très bien que la souveraineté camerounaise est une souveraineté sous haute surveillance, une souveraineté restreinte, car le Cameroun n'est pas une grande puissance militaire. Vous prétendrez n'obéir qu'aux ordres de M. Biya parce qu'il serait le détenteur de la souveraineté, et je vous dirai encore que le Cameroun a construit son système économique sur la dépendance envers l'aide au développement. Ce sont donc les dettes abusivement contractées auprès de la France, auprès de l'Allemagne, auprès des États-Unis d'Amérique, auprès de la Chine, auprès de nombreux autres pays du monde qui permettent au gouvernement du Cameroun, dans son bricolage internationalement reconnu, de boucler ses budgets. Et je vous ferai donc remarquer que lorsqu'on parle de souveraineté, on doit avoir une autonomie d'investissement dans son propre territoire économique national, ce qui n'est pas le cas du régime actuel du Cameroun. Il s'ensuit que si vous ne détenez pas la souveraineté sur le plan économique, vous ne détenez pas la souveraineté sur le plan militaire. Vous ne pouvez pas prétendre détenir la souveraineté sur le plan stratégique et la détenir absolument sur le plan politique. Par conséquent, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les militaires de tout grade, les gendarmes de tout grade, les policiers de tout grade, les agents de renseignement et les corps spéciaux de tout grade, vous le savez très bien, le Cameroun n'étant pas une grande puissance mondiale, le président Paul Biya ne peut pas faire fi de la décision annoncée hier par le président des États-Unis d'Amérique, car il sait que cette décision a un impact immédiat sur son pouvoir d'action. Cette décision a un impact immédiat sur sa pratique politique. Cette décision a un impact immédiat sur son avenir politique, lui et toute l'administration qui prétend être sous ses ordres. D'où ma conclusion. Nous observons cette semaine qu'alors que la communauté internationale s'accorde à reconnaître que Paul Barthélemy Biya a bel et bien installé à la tête du Cameroun une dictature ubuesque, pratiquant des exécutions extrajudiciaires, pratiquant des actes de détention arbitraire et illégale, pratiquant des actes de torture au quotidien, alors que le monde entier le sait et que le président Donald Trump l'a dit de sa propre bouche. Ce qui veut dire que personne dans ce monde ne peut dire qu'il ignore que Paul Biya est un chef d'État barbare. Nous observons que M. Biya prétend continuer d'interdire au peuple camerounais de se réunir librement. Paul Biya prétend continuer d'interdire au peuple camerounais de manifester librement. Paul Biya prétend continuer d'empêcher le peuple camerounais de jouir, ne serait-ce que des libertés qui ont été proclamées dans la Constitution du 18 janvier 1996, dont il est lui-même l'initiateur.
Et alors, il est important de vous dire, nous, engagés dans un combat moral, spirituel, politique, pour l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie viable au Cameroun, nous nous engageons à mettre à la disposition de toutes les institutions internationales compétentes, de toutes les puissances internationales capables de contraindre M. Paul Barthélémy Biya et tous ceux qui lui obéiront, eh bien, les données les plus précises sur vos propres actes, les données les plus précises sur votre identité, vous qui obéirez, qui obéissez, qui avez obéi aux actes ayant conduit à ce que nous avons réussi, nous, peuple camerounais résistant, à faire reconnaître par le président Donald Trump, par la puissance américaine, la Chambre des représentants, le Sénat compris, eh bien, tout ce que nous avons pu leur faire reconnaître sera reconnu partout dans le monde. Et par conséquent, je vous invite à regarder à vos heures libres un grand film qui, en réalité, annonce ce qui vous attend. Si vous persistez à obéir aux ordres criminels de M. Paul Barthélémy Biya, ce film s'appelle « La traque des nazis ». Je recommence. Un petit loisir du dimanche. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement camerounais, mesdames et messieurs les gouverneurs, préfets, sous-préfets, militaires, gendarmes, policiers, regardez le film « La traque des nazis ». Il est gratuitement disponible sur Internet. Ce film vous dira l'avenir qui vous est réservé à partir de la déclaration et de la décision d'hier du chef de la puissance américaine. Nul répit pour vous, où que vous soyez dans le monde, au Cameroun ou ailleurs, désormais. Nous avons, en tant que peuple camerounais, toute la légitimité désormais de vous résister sous toutes les formes possibles. Nous avons toute la légitimité de nous battre contre vous sous toutes les formes possibles, puisque le monde entier sait que vous êtes auteur d'exécutions extrajudiciaires, vous êtes auteur de détentions illégales et arbitraires, vous êtes auteur de tortures. Nous avons reçu ainsi la reconnaissance d'un combat de plusieurs décennies. La décision du président Trump, qui est déterminée par les intérêts américains, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un acte d'amour du président Trump envers le peuple camerounais, mais c'est un acte en quelque sorte de protection des intérêts américains dans le golfe de Guinée, mais aussi des frontières américaines contre les flux d'immigrés venus de ce que le président Donald Trump a appelé les « shithole countries », les pays de merde. Eh bien, nous tirons toute conséquence de cet acte pris par la puissance américaine pour amener bientôt la puissance française qui, comme vous le savez, est une puissance, certes, importante, mais alignée pour l'essentiel sur les orientations de la puissance américaine dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, nous nous engageons à faire entériner le même constat au niveau de toutes les grandes puissances intéressées par le golfe de Guinée et qui veulent empêcher que l'Afrique centrale explose du fait de la descente aux enfers que lui impose la dictature de M. Paul Barthélémy Biya. Pour conclure cette déclaration, je tiens à vous dire qu'à ce jour, nous avons acheminé auprès des puissances américaines, européennes, russes, chinoises, l'essentiel de la structure du commandement actuel qui perpètre des crimes reconnus désormais par le président Trump, qui seront reconnus par les présidents européens, commencé par le président Emmanuel Macron, le dernier soutien inespéré de M. Paul Barthélémy Biya. Nous avons acheminé des documents montrant toute la hiérarchie décisionnelle qui va depuis la présidence de la République jusqu'au chef des unités qui sème la mort dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons reconstitué toute la chaîne de commandement qui permet les brutalités contre l'opposition camerounaise,
lorsqu'elle veut manifester dans le cadre pourtant de la Constitution. Nous avons en réalité un travail au peigne fin qui est en train d'être fait pour que bientôt vous receviez nommément de la part des grandes puissances concernées par les abus subis par le peuple camerounais des courriers individualisés. Vous recevrez bientôt votre dossier judiciaire international. Nous nous y sommes engagés dans le cadre de notre lobbying. Vous serez informés les uns après les autres, messieurs les ministres, messieurs les gouverneurs, messieurs les préfets et mesdames, messieurs les militaires et mesdames les militaires, les gens, vous serez individuellement informés dans les prochaines semaines de votre dossier judiciaire personnel et international. Et ce dossier judiciaire sera à chaque fois mis à la disposition du peuple camerounais. Nous vous indiquerons par ampliation toutes les institutions internationales où vous aurez été signalé comme étant l'un des acteurs des chaînes qui exécutent le massacre du peuple camerounais. Je vous annonce ce programme et je l'annonce au peuple camerounais pour lui dire qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas abandonné, que le combat qu'il a engagé pour la récupération de toutes ses libertés fondamentales a connu hier, avec la décision du président Donald Trump, une accélération formidable. J'ai fait écouter au départ de cette adresse aux membres du gouvernement, aux gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets, aux militaires, aux gendarmes, aux policiers du Cameroun, l'hymne national du Cameroun. Il serait temps, mesdames et messieurs, de procéder à une lecture spirituelle de cet hymne national et à tirer de cet hymne national toutes les bonnes raisons que vous devriez avoir de désobéir aux ordres criminels de M. Paul Biya. Si vous ne voulez pas l'accompagner aux enfers, si vous ne voulez pas aller aux enfers où lui et son régime sont en train inexorablement, imparablement, de descendre. Il fallait que j'attire votre attention sur cette réalité. Il fallait que je vous fasse prendre conscience de ce qui vous concerne dans ce qu'a dit hier le président Donald Trump. Messieurs les membres du gouvernement, messieurs et mesdames les membres du gouvernement, messieurs et mesdames les gouverneurs, mesdames et messieurs les préfets, les sous-préfets, les militaires, les gendarmes, les policiers du Cameroun, que cette vidéoconférence vous serve de référence pour une méditation personnelle de votre responsabilité désormais engagée, de vos familles désormais mises en péril par votre courage dans l'acceptation d'ordre criminel ou le refus d'ordre criminel. Je vous invite à rester connecté car vous recevrez bientôt par voie personnelle ou à travers les médias eh bien, votre dossier judiciaire international, un dossier qui atterrira sur les tables de toutes les grandes puissances de ce monde. Et un dossier qui déterminera désormais votre mobilité à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Nous y travaillons. Je viens de réunir aujourd'hui une base de 150 travailleurs juridiques, intellectuels du Cameroun à travers le monde. Nous constituons une cellule dont vous verrez la qualité du travail qui sera restituée dans les prochaines semaines avec une traçabilité indiscutable. Et moi, professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, j'appelle toutes les Camerounaises et tous les Camerounais détenteurs d'informations précises sur les exécutions extrajudiciaires, sur les actes de détention arbitraire et illégale, sur les actes de torture pratiqués par les forces de M. Paul Barthélémy Biya au Cameroun. Je vous demande d'ores et déjà de me les acheminer
à travers mon inbox Facebook, à travers mon inbox Twitter, à travers mon email disponible sur la totalité de mes pages, je vous demande de faire remonter vers la centrale de résistance intellectuelle, judiciaire, internationale, géopolitique, géostratégique que nous sommes en train de constituer avec d'autres fils et filles du Cameroun aux quatre coins du monde. Nous allons vous restituer cela sous la forme d'un travail de traçabilité, de transparence, un travail d'identification, un travail de pression individualisé, personnalisé sur l'appareil répressif soumis indûment, obéissant illégitimement et illégalement à M. Paul Barthélémy Biya, le satrape du Cameroun qui a commencé inexorablement sa descente aux enfers. Méditez, membre du gouvernement camerounais, méditez, gouverneur, préfet, sous-préfet, méditez, militaires, gendarmes et policiers, l'hymne national du Cameroun que je m'en vais déclamer pour conclure cette adresse. La liberté dont il est question, c'est la liberté de chaque Camerounais, pas seulement la vôtre. La foi dont il est question, c'est la foi de tous les Camerounais, pas seulement la vôtre. Tous les enfants du Cameroun ont le droit d'être libres. C'est ce que dit l'hymne. Méditez bien. Le Cameroun n'appartient à personne. Il appartient au peuple. Le Cameroun n'est notre patrie que si nous pouvons y être libres comme tout le monde dans le cadre de la loi. Notre joie, notre vie, c'est dans la liberté. Ce n'est pas comme esclave. L'amour et le grand honneur n'ont de sens que pour un peuple libre. La Paris, la patrie, la terre chérie sont des terres qui nous protègent, des terres qui nous aiment, pas des terres où on nous tue, pas des terres où on détruit nos vies. À toi, l'amour. Vive le Cameroun. Chers amis, merci de partager ce premier direct du jour. À bon entendeur, salut. Quand tu viens me parler là, c'est pour être enregistré dans ma vidéo en fait.
Oui. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement camerounais, puisque mesdames les gouverneurs, les préfets de l'administration centrale du Cameroun, monsieur les militaires, les gendarmes, les policiers, les agents des renseignements généraux et des corps spéciaux de l'armée et de la police donc, du Cameroun. Je m'adresse à vous en revendiquant une autorité intellectuelle et morale que vous n'êtes pas obligé de reconnaître et avec laquelle vous devrez compter aujourd'hui et demain, Cameroun et en main. Je m'adresse tout particulièrement à vous pour vous demander de prendre conscience du fait que hier, par la décision annoncée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald